Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui, j'ai le même pull que celle d'avant, c'est le même jour, hein, sauf qu'on est le soir, hein, regardez, hop, il fait noir. Je vais parler un peu de mon rendez-vous d'aujourd'hui, sauf que vous ne l'aurez que demain. Alors, comment ça s'est passé? Oh là, j'ai une superbe coiffure, j'ai les cheveux qui partent, de toute façon, mes cheveux. Est-ce que je les garderai? La question est là. Alors, commençons déjà par les ganglions. Bonne nouvelle. Ça n'a pas été jusqu'au ganglion le cancer. Ça veut dire que c'est négatif. Ça, c'est super. Maintenant, à la suite. Alors, quand ils ont fait la biopsie, j'étais à stade 2. Dit stade 2. Ben, je me suis fait opérer. Ils ont examiné ce qu'ils avaient retiré à mon sein. Et en fin de compte, c'est stade 3. Je vais devoir avoir des séances de chimio. 6 séances de chimio. Avec une. Intervent. 3 semaines à chaque fois séparées. Une séance de chimio, 3 semaines. Une séance de chimio, 3 semaines. Là, je suis en arrêt de maladie pour 3 mois. Voilà. J'ai un peu la voix enrouée, je trouve. Bon, c'est peut-être l'émotion, la tristesse. C'est fou. J'ai dû encaisser. Et je dois garder le moral, le sourire devant tout le monde. Hein, que ça va aller. Pas le choix. Pour pas démoraliser les autres. Bon, après la chimio, je ferai les rayons. Mes séances de rayons. Et après les séances de rayons, je passerai aux hormones. Pour 5 ans. On m'a même demandé si je voulais d'autres enfants, si je voulais d'autres enfants qu'on pouvait congeler mes ovules. Je dis non, je veux pas d'autres enfants parce que c'est vrai que la chimio peut rendre stérile. Les projets. Voilà. Et je suis. Non, non, non. Déjà, quand je suis tombée enceinte l'année dernière, je suis après, c'est fini. Voilà. Oh. Est-ce que ça va faire du bien de parler? C'est vous qui me regardez, est-ce que vous avez eu pareil? Racontez-moi ce que vous avez ressenti. Si vous avez, comme moi, un cancer du sein, parlez-en. Si vous avez de la chimio, comment ça s'est passé pour vous? Il y en a qui ont perdu leurs cheveux, d'autres non. D'être malade, ça, oui, tout le monde m'a dit que voilà, ça tombait malade. Ce que je suis dans le groupe Facebook, cancer du sein. Un peu dur cette vidéo, un peu dur. Oh là, j'ai un truc qui s'affiche. Un peu dur cette vidéo de vous parler de ça. Jeudi, je retourne encore à l'hôpital pour faire un IRM pour voir si tout a été retiré comme il faut. Si tout n'a pas été retiré, je dois repasser une opération. Voilà. Et je dois aussi, avant, je dois aller voir le médecin justement pour qu'il me parle de la chimiothérapie et me redonner après un autre rendez-vous bah, pour pouvoir la faire. Je vais avoir des points de transport pour y aller et pour retour. Très dur là. Il faut garder le sourire avant tout. Voilà, je vais vous laisser et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye. Oh, en fait, pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Surtout à commenter si vous avez un cancer du sein pour m'en parler. Bye bye.